voyez Moussa Massé qui va vous donner un mot sur le parcours de cette grande famille qui est âgée de 30 ans. Voilà. Merci à tout le monde d'être venu nous soutenir ce soir. Comme Maurice vient de le dire, c'est un grand jour pour nous. C'est un grand jour pour nous parce que ce qui a commencé comme un rêve il y a 30 ans se poursuit même maintenant. Et si ça se poursuit, c'est qu'il y a une détermination des personnes qui veulent que l'aventure continue. Et l'aventure Lunana, c'est le cas d'une association de bénévoles qui n'ont pas de subvention, mais où les parents ont décidé qu'ils vont garder la culture de leur pays natal et la transmettre à leurs enfants. Et on doit vraiment ce soir se féliciter que l'objectif qui a commencé il y a 30 ans se poursuit. Je me demande, et je vous demande aussi quel est le secret pour que ce rêve commencé par quelques parents se poursuit 30 ans après. C'est des parents qui ont décidé que leurs enfants vivant en Suisse, leurs enfants nés de parents rwandais, on a des familles rwandaises aussi, où un des parents est d'origine suisse, que pour leur permettre de vivre pleinement leur double culture, il était important que leurs racines soient bien identifiées chez eux. Et la réussite de Lunana, c'est que 30 ans après, cet objectif est en bonne voie et que le spectacle qu'on a prévu pour vous ce soir et va vous montrer que cet idéal est en train de prendre racine. Et quand je dis que c'est les parents qui se démènent depuis 30 ans, je dois avoir un remerciement spécial aux mamans de Lunana parce que c'est grâce à elles que cette aventure continue. Et je vous demanderai de les applaudir. C'est une association apolitique, c'est une association non professionnelle et notre but c'est de nous réunir une fois par mois pendant l'année scolaire. On se réunit à Lausanne, à la paroisse Saint-Marc et ironie du sort, c'est que la même paroisse, la même salle où l'association a commencé ses danses, on est toujours dans cette même salle. Un des moments forts de notre association aussi, c'est un autre camp que nous faisons tous les ans, un camp qui dure une semaine, où nous réunissons tous nos enfants, où il y a des coachs qui sont des anciens du ballet national du Rwanda qui vivent en Belgique, en France, qui viennent coacher les enfants. Et cette période d'une semaine que les enfants restent ensemble, c'est un moment où ils tissent les liens entre eux et c'est des liens qui, 30 ans après, nous remarquons que c'est un lien qui les construit beaucoup, c'est un lien qui garde avec leurs racines rwandaises. Et c'est effectivement cette réussite de Lunana que nous fêtons aujourd'hui. Et grâce à vous, grâce aux nombreux visages qui sont ici, nous voyons souvent que vous venez nous soutenir. C'est cette aventure que nous voulons vous faire une fête ce soir pour vous montrer qu'on est en bonne voie pour garder ce parcours. Pour le moment, notre association regroupe une quarantaine de familles et on a environ 70 enfants. Alors comment nous fonctionnons grosso modo? C'est que tous les parents de Lunana, ils sont partie prenante. On n'a pas d'employés. Donc tous les camps, tous les entraînements mensuels, c'est les parents qui organisent les goûters, qui préparent les salles, qui préparent à manger, qui préparent les enfants pour faire des spectacles. Tout est autogéré par les parents. Et c'est aussi un enrichissement pour nous les parents parce que nous voyons nos enfants grandir, nous voyons que
perdre notre culture et transmis par ce cadre que Moulana a donné à nos enfants, en plus du lien avec le pays qu'ils ont dans, dans leur famille, nous réunissons, nous donnons un cadre au sein de Moulana pour qu'il y ait cette transmission de la culture. Ce soir, on a la chance d'avoir un résumé en vidéo, en image de ce parcours de 30 ans. J'espère que vous avez aimé cette vidéo parce que ça a commencé effectivement il y a un bon moment et certains visages, certains enfants, vous n'allez pas les reconnaître parce qu'ils sont des neveux, des parents aussi, et on a cette chance que certains enfants qui ont commencé l'association il y a 30 ans, maintenant ils font partie de ceux qui encadrent les plus jeunes. Et cet objectif de transmission est atteint dans par cette voie. On aurait beaucoup de gens à remercier ce soir, mais le meilleur moyen de vous remercier, c'est vraiment le spectacle qu'on va vous présenter ce soir. J'espère que vous allez apprécier. Nous, en tout cas, au niveau du comité, au niveau de l'équipe d'encadrement de Moulana, nous sommes très reconnaissants de tout l'appui que nous recevons de vous tous, toutes et tous qui venez nous voir régulièrement et qui appréciez nos causes. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, on aura le temps après de vous présenter les personnes qui ont fait que cette fête soit organisée et on va faire place au spectacle et d'abord, on va voir la vidéo. Merci beaucoup. Merci, Jean-Luc, pour